Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau Tempo Afrique TV. Je suis Moussa Diawara, votre fidèle serviteur de l'émission rétrospective de la semaine. Référendum constitutionnel au Rwanda. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le retour de M. Soro Kikafori-Guillaume et une déclaration à l'Assemblée concernant les mandats d'amener contre lui. Le Burkina Faso, un mandat d'arrêt international lancé contre M. Blaise Compaoré. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui et de cela. J'ai dans mon studio avec moi aujourd'hui M. Serge Niawa de la Côte d'Ivoire, reporter à Tempo Afrique TV. À ma gauche, j'ai mon ami de tous les jours, M. Alassane Savadogo, originaire du Burkina Faso et un consultant politique aussi de Tempo Afrique TV. Mes chers amis, bienvenue sur notre plateau Tempo Afrique. Bonjour, Monsieur Diawara, et Merci. c'est un réel plaisir encore de m'avoir sur ce plateau. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire meilleurs vœux l'an 2016 à tous ceux qui regardent cette émission de près et de loin. Merci beaucoup. Monsieur Alassane Savadogo, bienvenue sur notre plateau rétrospectif de la semaine. C'est moi qui vous remercie. Merci, merci beaucoup. Référendum au Burundi où Monsieur Paul Kagame a réédité l'exploit de pouvoir voter un référendum et ce référendum a été voté à 98% d'après les informations qui donnent une chance encore, un troisième mandat à Monsieur Paul Kagame du Rwanda à se présenter comme candidat à l'élection présidentielle à venir. Pour cela, nous allons beaucoup parler de cela aujourd'hui. Mais avant d'aller d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais vous présenter les castings des votes où Monsieur Paul Kagame était en train de voter pour le référendum. Si notre régie elle est prête, nous allons vous montrer cette élection de M. Paul Kagame et du peuple rwandais avant de rentrer dans le vif du sujet. La régie, s'il vous plaît, si vous avez l'élément, partons sur le Rwanda pour voir M. Paul Kagame qui était en train de casser sa vote pour le référendum qui a été voté à l'unanimité à 87, à 98% d'après les informations. Ok, je pense que nous avons un petit problème avec notre régie pour le moment. Nous allons revenir sur cet élément. Nous allons vous montrer cet élément qui consiste en le casting du vote de M. Paul Kagame. Ok, nous sommes partis avec Paul Kagame. Future do they have for themselves? It's not me holding their future. They have their future in their own hands. Ok, c'était M. Paul Kagame qui avait juste fini de voter et qui était en train de donner ses impressions aux journalistes du Rwanda. Et donc, M. Serge Niawa, je m'en vais à vous et à M. Alassane Savadogo. Nous avons vu un Paul Kagame qui a fait deux mandats. Pensiez-vous que c'était vraiment nécessaire de faire un référendum encore pour permettre à M. Paul Kagame de se représenter pour un troisième mandat? Parce que, pourquoi je le dis, un démocrate comme lui, qui a fait du beau travail pour le Rwanda, ne l'oublions pas, mais moi, je dirais que c'était tout à fait, ce serait mieux pour lui de finir ses deux mandats et de se mettre à côté. Et cela allait être un exemple encore pour l'Afrique. Que pensez-vous, M. Serge Niawa? Monsieur Diawara, je voudrais quand même vous remercier encore une fois de plus. Nous revenons encore sur ce problème de budgétivore. Au niveau de l'Afrique, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entraînent ces chefs d'État aujourd'hui qui se veulent s'éterniser au pouvoir. Nous avons vu Monsieur Paul Kagame, qui est le président du Rwanda. On ne peut pas dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens plus intelligents que Paul Kagame pour diriger ce pays. Mais le Rwanda est aujourd'hui phagocyté par Paul Kagame lui-même,
qui est quelqu'un, quand il parle, aucun Rwandais ne peut parler. Et si vous parlez, vous allez subir. Donc, Paul Kagame, il y a quelque chose que nous devions comprendre aujourd'hui. On ne peut pas continuer, l'Africain ne peut pas continuer pour que ce monsieur brigue encore un troisième mandat. Si la communauté internationale a dit, bon, je ne me base même pas sur la communauté internationale, parce que c'est même tabac. Ces gens-là, aujourd'hui, qui ont une constitution, le Rwanda a bien une constitution qui est bien déterminée. Si Paul Kagame a lu cette constitution, qui ne lui permet pas d'ailleurs de briguer le troisième mandat, et qui va faire des fabriques pour dire « le peuple a besoin de moi, il faudrait que je fasse un troisième mandat ». Mais un troisième mandat, pourquoi faire? Mais ce n'est pas pour faire un troisième mandat. On parle bien d'un troisième mandat, mais il sera au pouvoir, parce que ce référendum l'amène jusqu'en 2034 au pouvoir. Convenez bien que peut-être qu'il va mourir au pouvoir, sinon il va continuer. Et en 2034, s'il est encore là, on va le voir en train de porter une canne, comme Mobutu Sissoko, et il va encore changer la constitution. Parce que ça dépend de ce que ces messieurs ont fait au pouvoir. En venant au pouvoir, il a peut-être érigé ce peuple diaboliquement en beaucoup de choses, comment on appelle, de vies humaines qui ont disparu. Donc, les gens ont peur aujourd'hui de céder le pouvoir. En cédant le pouvoir, on dit, bon, d'accord, celui qui va venir, il va peut-être m'emprisonner ou bien je vais rendre compte au peuple. Donc, les gens ont peur de ça. Alors, ça me fait beaucoup mal quand des Africains eux-mêmes qui essaient de mettre en place une constitution qui les permet à respecter la déontologie même des règles. Ils reviennent encore à la charte pour dire que je veux être président, que la population me réclame. Quelle population qui réclame Paul Kagame aujourd'hui? Merci beaucoup. Monsieur Alassane Savalogo, que pensez-vous de cet référendum qui a été voté unanimement par le peuple rwandais, hein? 98% du peuple rwandais, d'après les chiffres que nous avons eus partout, qui disent que Paul Kagame a cette habilité-là de changer la constitution du Rwanda afin de pouvoir briguer un troisième mandat. Pensez-vous vraiment que ça valait la peine pour M. Paul Kagame de se représenter pour un troisième mandat? Oh, merci, Monsieur Diawara. Bon, comme il a été dit, 98% de oui, mais bon, j'ai pas eu le score concernant le taux de participation. Mais en tout état de cause, je suis vraiment désolé de cette attitude de Paul Kagame. C'est un monsieur à qui j'ai beaucoup de respect parce que bon, depuis qu'il est arrivé au Rwanda, il a beaucoup fait pour le progrès économique et social du Rwanda. Et au point que le Rwanda même est considéré comme Singapour de l'Afrique. Donc, même les instances internationales chargées de suivre l'évolution économique et sociale ont reconnu le progrès que le Rwanda a fait. Ça, c'est... à ce niveau, il faut chapeau bas à Paul Kagame. Mais si le progrès économique et social d'un pays tient à un homme, vraiment, je suis désolé. Un homme qui est mortel. Donc, vraiment, je suis pour le renforcement, la consolidation des institutions du pays. C'est ça qui permet la continuité et le vrai progrès social. Donc, à ce niveau, je voyais vraiment que Paul Kagame devait passer la main et suivre de près comment les institutions vont évoluer jusqu'à ce que bon, une autre personne prenne la relève et ainsi de suite. Donc, je dirais que vraiment, je suis désolé de cette attitude de Paul Kagame. Monsieur Moussa, je voulais... Le renfort, la consolidation des institutions démocratiques. Je vois que monsieur voulait ajouter quelque chose. Tout simplement, rapidement, on parle peut-être de 98%. Il a été élu à 98%. Moi, il n'y a pas de preuves. On peut dire 98%, mais quand le peuple va voter, quand le peuple sort des urnes, ce qui sort des urnes, ce n'est pas ce que le peuple a mis dedans. Donc, il s'est fait plébisciter pour ne même pas qu'on dit la communauté internationale
puissent encore discuter d'un iota. C'est ça qu'il faut comprendre. Monsieur Alassane a parlé du taux de participation. On ne connaît pas le taux de participation. Il y a combien de personnes qui ont voté? Ce n'est pas tout le Rwanda qui a voté. Mais il faut dire que le peuple rwandais est molesté par Paul Kagame. Donc, ils n'ont aucun mot à dire. Merci beaucoup, monsieur Serge Niawa. Merci, Alassane Savadogo. C'était juste une parenthèse sur les référendums qui se sont passés au Rwanda. Maintenant, nous allons partir de l'autre côté, là où il y a beaucoup de situations confuses. Quand je dis de l'autre côté, je parle beaucoup plus précisément de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans savoir, cher ami, que la Côte d'Ivoire de M. Sossoro Kikafuri-Guillaume, qui est le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, il y a 3 semaines déjà, avait reçu un mandat d'amené par une juge française lors de son séjour, d'un séjour officiel. En France, quand M. Soro Guillaume était parti pour représenter la Côte d'Ivoire au COPA 21, cet mandat d'amener avait été envoyé à Soro Guillaume et qui avait créé une crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la France. Maintenant, à son retour en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume a été reçu en fanfare en Côte d'Ivoire, mais pas seulement en fanfare, Soro Guillaume a donné un discours à l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Et cet discours, je voudrais que nous parlions de cet discours. Mais avant de rentrer dans le discours, je vais demander à notre régie de nous faire écouter le discours de Soro Guillaume à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Et à partir de là maintenant, nous pourrons en discuter de cet discours et de ce que vous en pensiez. Si la régie elle est prête, sur nous allons partir pour Soro Guillaume. Des écoutes téléphoniques. Que de chimères. Toutefois, toute douleur contenue, je m'aligne en citoyen discipliné sur la volonté, l'orientation et les instructions du président de la République, garant des institutions, qui, en homme d'État, a décidé de traiter personnellement cette affaire avec les nouvelles autorités burkinabées élues. Monsieur Michel Gbagbo a été tant et si maltraité que son certificat médical ne révèle qu'une simple carie dentaire. Quel était le but recherché? Juste m'humilier. Autrement, comment comprendre que, bénéficiant de l'immunité absolue, une telle démarche puisse être engagée? Cela est incompréhensible et relève d'un abus de pouvoir que je dénonce avec force. Lorsque la Commission rogatoire internationale, conformément à l'accord de coopération en matière de justice signé entre la République française et la République de Côte d'Ivoire en 1961, me sera dûment notifiée et le reviendra au bureau de l'Assemblée nationale de statuer. Car au final, chers collègues, c'est à vous et à vous seuls que la décision appartient. C'est vous qui aurez le dernier mot s'il s'agit de me présenter à la justice de mon pays. Et ce jour-là, il sera comme il lui plaira à la juge française de venir en Côte d'Ivoire pour assister un juge ivoirien seul qualifié pour m'entendre. Merci beaucoup. C'était le discours de M. Soro à l'Assemblée. Nous allons maintenant parler de ce discours. Nous avons entendu M. Soro Guillaume parler de pas mal de choses. Soro Guillaume a parlé de laisser ses écoutes téléphoniques, de ne pas commenter là-dessus sur instruction du président de la République, son Excellence Alamane Dramane Ouattara, qui lui aurait demandé de ne pas de s'en laver les mains de cette écoute téléphonique, de cette histoire d'écoute téléphonique, et que ce problème va se gérer de président en président. Donc, mes chers analystes politiques, M. Serge Niawa, que pensez-vous du discours de M. Soro Guillaume quand il parle de ne pas se prononcer sur les écoutes téléphoniques, sur instruction du chef d'État de la Côte d'Ivoire, et que ce problème allait se régler
entre les deux présidents du Faso et de la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette déclaration de M. Sirro Guirao? Je crois que M. Moussa a écouté M. Sirro Guirao Kibafori. Je pense que c'est un discours du bluff, c'est un discours politique, c'est un discours qu'il faut qualifier de confusion. Il rend confus tous les Burkinabés parce qu'on attendait de M. Sirro Guirao de nous éclaircir réellement ce qui se passe. Comment M. Sirro Guirao, qui est le plus concerné, nous dit ici que je m'aligne au dit de M. Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État, de traiter. Parce qu'il dit que M. Alassane Dramane Ouattara va traiter personnellement, il dit personnellement cette affaire avec le président élu. Qu'est-ce que ça veut dire personnellement? Ça veut dire que c'est une affaire qui sera totalement classée. Ça veut dire que c'est une affaire qui a déprimé le peuple burkinabé qui sera mis dans les archives. Au moment où on traite des dossiers brûlants en Côte d'Ivoire, il y a d'autres dossiers brillants qu'on doit aussi traiter de l'autre côté, mais on va revenir là-dessus. Mais je dirais plutôt que M. Sirro Guirao veut faire endormir la population, non seulement burkinabé, mais la population ivoirienne. Et si il dit qu'il faut un juge qualifié pour pouvoir le juger. Il dit encore, l'Assemblée nationale, c'est à vous que la décision reviendra. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire qu'il faut élever son immunité parlementaire pour qu'il aille répondre à ce qu'il a dit. Mais écoutez, laissons les hommes de loi qualifier de manière potentielle cette histoire d'immunité parlementaire. Est-ce que cette immunité parlementaire, ça a une loi au Burkina Faso? Quand il quitte de l'autre côté là-bas, est-ce que c'est la même chose? C'est ça. Donc, il faudrait que la justice fasse son travail pour que M. Sirro Guirao puisse répondre de ses actes, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est responsable, parce que ce n'est pas M. Alassane Ouattara qui doit prendre cette responsabilité pour aller régler le problème de manière personnelle avec le président burkinabé qui vient d'être élu. Ça, c'est pour créer encore un autre problème. Qui ne va pas dire son nom. Un problème, le plus brûlant qui va faire le froid entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Si et seulement si le président qui a été élu fait son travail. Si c'est un président authentiquement élu par les Burkinabés pour servir ce que de droit au peuple burkinabé qui attend la vérité, rien que la vérité, sur encore d'autres dossiers qui sont encore plus brûlants. Ce n'est pas M. Sirro Guirao son problème. On peut le qualifier parce qu'il dit qu'il est un homme de mission. C'est-à-dire que ce sont des gens qui l'envoient. Donc, il est assis là et puis il parle. Et les gens sont là pour dire, M. Sirro Guirao, il faut faire ce que tu dois faire parce que nous, on est derrière. Quand M. Sirro Guirao dit, quand quelque chose est bleu, je dis que c'est noir. Ça veut dire beaucoup de choses, monsieur Diawara. Merci beaucoup. Monsieur Alassane Savadogo, pensez-vous qu'il y a une crise diplomatique présentement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Bon, je dirais plutôt un incident diplomatique, bon, parce que l'affaire n'est pas aussi avancée pour arriver à une situation de crise. Oui. Mais se référant au discours de Sirro Guirao, j'ai dit qu'il a parlé sans réellement convaincre. Oui. Je n'ai pas vu de conviction vraiment dans ce qu'il a dit. Bon, lui qui se sent concerné, j'emboîte le pas de mon ami Serge. C'est à lui de se défendre, pas mettre la patate chaude dans les mains du président Ouattara. Donc, je dirais à ce niveau qu'il y a quelque chose de flou qu'ils sont en train de préparer en bas. Normalement, en principe, c'est la justice qui doit faire son travail. C'est pas, même les nouvelles autorités du Burkina, s'ils viennent, ils ne doivent pas interférer dans cette affaire. Ils doivent laisser les affaires aller jusqu'au bout pour que bon, les gens sachent la vérité. Parce que la déstabilisation d'un pays, c'est un acte très grave. Allô? Parce que c'est un acte qui concerne la vie. Il me semble que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur.
Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et vous voulez intervenir dans notre débat de rétrospective de ce soir? Oui, bien sûr. À qui ai-je l'honneur? C'est Monsieur Adisosé. Monsieur Adisosé, vous avez des questions pour nous ou bien nous vous donnons la parole de nous dire de ce que vous en pensiez de ce que nous discutons aujourd'hui. Merci, monsieur. Je voulais tout simplement apporter un petit éclaircissement. Vous avez parlé, j'ai vu le discours de Guillaume Soro. Bon, oui. S'il dit que ça revenait à la Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale, je crois que quelqu'un l'a dit là-bas, il entend pas cela, l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire est levée, il pourra être poursuivi. En ce qui concerne les écoutes téléphoniques, je pense que ce qui se passe, c'est que quelqu'un l'a déjà encore dit là-bas, qu'il est quelqu'un qui exécute des missions fomentées par d'autres. Oui. Donc, vous voyez aujourd'hui que celui qui fomente ces missions et qui donne à Soro d'exécuter a pris le devant des choses et dit qu'il va régler ceci entre présidents. Oui. Donc, on avait vu des présidents du coup. Téléphonique. Le président ne sait pas intervenir, il dit ça. Quand il voit aujourd'hui que un de ses protégés, bien un de ses alliés est élu au Burkina, c'est pourquoi il intervient pour dire qu'il va régler ça entre présidents. Ce n'est pas pour rien que la transition a précipité, lancé un mandat d'arrêt à Blaise Compaoré avant de quitter. Ils savent que le président qui vient ne va pas le faire. Donc, en se précipitant, lancer un mandat d'arrêt, le nouveau président sera devant les faits accomplis. Donc, il doit que la transition soit portée. Je pense ceci pour, d'ailleurs, jeter une fleur à la transition qui a surtout lancé un mandat d'arrêt à Blaise Compaoré avant que le président n'arrive. Donc, si le président revient et il revient sur la décision de la transition, qu'il annule le mandat d'arrêt, au monde entier, tout le monde l'aurait vu. Mais si la transition n'avait pas fait ça, il ne va pas le faire, mes amis. Merci beaucoup, monsieur Diawara. Merci beaucoup pour votre intervention et restez avec nous. Puisque ce débat, on n'en a pas encore parlé du mandat d'arrêt international, mais merci de nous avoir emboîté les pas. Et nous allons en arriver là parce que nous avons des questions pour édifier nos éditeurs, pour édifier nos téléspectateurs de quoi il s'agit en Côte d'Ivoire. Monsieur Niawa, cher Niawa, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, monsieur Diawara, la question que je me pose aujourd'hui, pourquoi c'est monsieur Alassane Draman Ouattara qui doit personnellement régler le problème que Soro Guema a essayé d'évoquer? Pourquoi c'est lui qui doit régler ce problème entre lui et le président qui est nouvellement élu? Cela revient à dire que M. Alassane Draman Ouattara est-il en conformité avec M. Soro Guillaume pour formater ce coup? Cela revient à dire que est-ce que c'est M. Alassane Ouattara qui est à la base de ce qui se passe? Je ne comprends pas. Ce n'est pas lui qui doit normalement régler ce problème comme on l'a dit. Le concerné Soro Guillaume lui-même qui doit régler ce problème, il dit « Le chef de l'État me charge de m'en laver les mains. » Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi celui qui est concerné ne peut pas aller régler ce problème? Donc, si la justice l'appelle demain encore en France, là, c'est lui qui va partir. Si la justice est burkinabé, demande à Soro de venir au Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso ne va pas se lever pour aller juger M. Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. C'est une peine perdue. Il a fait quelque chose. Il faudrait qu'il réponde. Au moins se dire au Burkinabé, voilà ce que je voudrais dire. Je ne suis pas le concerné des écoutes. Bien, je suis le concerné de ces écoutes, mais je demande pardon au peuple burkinabé parce que cela m'a échappé. Parce que le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est une entité, c'est des frères, c'est la fraternité. Quand le Burkina pleure, c'est la Côte d'Ivoire qui pleure.
Mais aujourd'hui, avec cette politique qui ne connaît pas son nom, on traite les Burkinabés ou bien les Ivoiriens des ennemis, ce qui ne devait pas d'ailleurs même exister, à cause de ces politiciens qui sont à la sorte de leur simple intérêt. Alors que la justice fasse son travail convenablement pour qu'on puisse aboutir à la vérité qui est toujours cachée. Merci beaucoup, M. Serge Niawa. M. Alassane, que pensez-vous de cette situation entre Soro Guillaume et les autorités burkinabé? Notre confrère qui vient d'intervenir tout de suite, il a dit quelque chose de très pertinent. Parce que pensez-vous de ce qu'il a dit? Parce qu'il disait que ce n'est pas pour rien que maintenant Alassane Dramane Ouattara a demandé à Soro Guillaume de s'en laver les mains et que lui, il allait régler ce problème de président à président ou bien d'État, avec les nouvelles autorités burkinabé. Il a aussi dit quelque chose qui a attiré mon attention. Parce que si la transition n'envoie pas ce mandat d'arrêt international présentement contre Blaise Compaoré, est-ce que le nouveau président qui va venir dans les 2 ou 3 jours à venir pourra s'en charger de ce dossier et que le peuple burkinabé soit satisfait des résultats de ce dossier? Que pensez-vous de tout ça? Bon, revenons sur l'affaire des écoutes téléphoniques. Soro Guillaume sait lui-même que bon, il peut pas convaincre, il n'a pas d'argument pour convaincre les gens qu'il n'est pas l'auteur de ça. Donc voilà pourquoi, très simplement, il dit que non, le président s'en chargera. Donc ça veut dire que bon, ils sont en train de préparer des mécanismes en bas pour traiter entre deux chefs d'État et contourner la justice. Ça, c'est l'idée que moi j'ai de cette intervention. Bon, maintenant. Concernant le mandat d'arrêt lancé contre Blaise Compaoré, bon, moi je pense que, bon, je ne sais pas, toujours nous sommes en Afrique, la justice, ils peuvent d'une façon ou d'une autre manipuler la justice. Et bon, comme Blaise Compaoré est un ancien collaborateur de ceux qui vont venir au pouvoir, donc j'aurais bien des doutes que, bon, ils pouvaient lancer un mandat d'arrêt contre lui. C'est l'impression que vraiment moi j'ai de cette situation. Merci beaucoup. Puisque nous parlons de mandat d'arrêt, allons-y dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif de ce sujet du mandat d'arrêt international contre M. Blaise Compaoré, nous avons un élément que nous allons vous montrer concernant ce mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré. Et après ça, nous allons revenir sur ce plateau encore en discuter parce que il y a une confusion, même pas une confusion. Tantôt, les autorités ivoiriennes disent qu'ils n'ont pas reçu de mandat d'arrêt. Et tantôt, les autorités burkinabées disent que le mandat d'arrêt a très bien été envoyé. Donc, mais avant d'arriver à ce sujet, on va voir l'élément de ce mandat d'arrêt tout de suite. Et après ça, M. Serge Niawa, je vous ai oublié. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là. Allez-y. Et je vais vous faire intervenir. Si la régie elle est prête, nous allons partir pour regarder ce mandat d'arrêt international qui a été émis par les autorités burkinabées au gouvernement ivoirien. Et quelle a été la réaction du gouvernement ivoirien par rapport à ce mandat d'arrêt. Et puis nous revenons sur ce plateau pour continuer de discuter de cela. Si la régie elle est prête, nous allons partir pour voir ce mandat d'arrêt international. Alors, sinon, on peut continuer à parler de ça. Ok. De 1987. Et donc c'était un peu un secret de polichinelle de savoir que l'ancien président du Burkina Faso pouvait être inquiété. Alors, il est actuellement, il faut savoir quelles vont être les conséquences, il est actuellement en Côte d'Ivoire. Ce mandat d'arrêt international a été lancé par la justice du Burkina Faso, mais on sait qu'il y a aussi des liens qui existent entre l'ancien président du Burkina Faso et le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Donc, il faut voir quelles seront les conséquences de ce mandat d'arrêt international. Les élections viennent d'avoir lieu de manière tout à fait pacifique. Le président, maintenant nouveau, doit prendre les pouvoirs le 29 décembre. Donc il faut voir s'il y aura des conséquences sur le jeu politique interne. Mais ce qui arrive était en partie prévisible. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? La mort de Thomas Sankara, on sait qu'elle était ces dernières années un sujet tabou. Est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'une page s'est tournée à Ouagadougou? Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait plusieurs affaires qui ont d'ailleurs entraîné en partie la chute de Blaise Compaoré. Il y avait la... Voilà, c'était
notre confrère de France 24 qui était en train de nous faire passer commenter sur ce mandat d'arrêt international contre Blaise Compaoré. Maintenant, nous revenons sur ce plateau pour parler avec mes chers invités. Il y a un lien entre les deux présidents, entre Blaise Compaoré et Alassane Dramane Ouattara. Nous savons tous, nous l'avons appris, pour faire venir Alassane Dramane Ouattara aux affaires de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara s'est appuyé sur le Burkina Faso pendant que Blaise Compaoré était le président, pour, avec une rébellion, pour pouvoir récupérer ce qu'il pensait était à lui. Et maintenant, l'histoire se retourne, se reverse d'une autre manière, parce que c'est ce même Blaise Compaoré qui se retrouve dans cette situation où il a pris la tangente, si je peux le dire, aller se réfugier en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que ce mandat d'arrêt international lancé par les autorités burkinabées, quelle sera la réaction des autorités ivoiriennes à ce mandat d'arrêt? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, que fera les autorités ivoiriennes? Vont-ils extrader Blaise Compaoré au Burkina Faso afin qu'il puisse répondre à tous ces crimes dont son nom a été cité et quand il était président? On parle de l'assassinat de Thomas Sankara, on parle de l'assassinat de Norbert Zongo, on parle de pas mal d'autres dossiers qui sont sur la table de la justice burkinabé et il doit y répondre. Que pensez-vous de tout ça, monsieur Cher Chignawa? Monsieur Diawara, je crois que j'étais beaucoup, beaucoup essoufflé quand j'ai vu cette vidéo. On aurait dû laisser cette vidéo aller jusqu'à la fin, même si peut-être que c'était 10 minutes. Parce que ce que on ressent de cette vidéo, il y a beaucoup de choses. Un lien entre le président qui vient d'être élu, qui va connaître l'investiture dans quelques jours. Un lien avec M. Ouattara. Je voudrais quand même que ceux qui nous suivent apprennent que M. Ouattara, lorsqu'il était à New York, au moment où il allait à l'école, il a été accueilli par le grand frère de Kaboré Christian, qui était ici à New York. C'est lui qui l'a logé. Et c'est ce même grand frère qui a fait un enfant avec Dagry Diabaté, qui est aujourd'hui, qui travaille avec M. Alassane Ouattara. Donc, c'est pour vous dire que c'est le beau-frère de M. Alassane Ouattara qui est aujourd'hui au pouvoir. Quand il dit que je vais le faire personnellement, ça veut dire beaucoup de choses, il faudrait qu'on s'entende. Le mot personnellement, ça amène aux gens à ouvrir beaucoup les yeux là-dessus. Maintenant, en finissant ce lien, la compétence de ce mandat, est-ce que ce mandat aura une compétence requise? Si M. Ouattara se permet à dire qu'il va régler ce problème personnellement, ça voudra dire que le mandat entre ce mandat qui va être lancé, il faudrait qu'on s'en soucie. C'est un autre mandat avant que M. Ouattara prenne les rênes du pouvoir. M. Kaboré était aux affaires au Mahou Sankara, en tueur Sankara. Il a même essayé de faire une allégeance. Quand M. Ouattara, de l'autre côté en Côte d'Ivoire, juge les criminels de M. Guéhi Robert, et que le mandat qui doit être livré à M. Compaoré pour qu'il soit extradé, si M. Ouattara voudrait s'opposer à ce mandat, en ce moment, il cautionne l'impunité. Si M. Ouattara ne cautionne pas l'impunité en Côte d'Ivoire et qu'il veut cautionner l'impunité dans son pays d'origine qui est le Burkina Faso, mais allons-y comprendre quelque chose, M. Diawara. Parce qu'on ne peut pas. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a l'affaire Zongo, il y a l'affaire Blaise et Thomas Sankara, mais il y a beaucoup de dossiers. Il faut, parce que c'est M. Ouattara même qui l'a dit, que la justice doit faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Moi, je ne suis que le président de la République élu pour la Côte d'Ivoire. Si je ne cautionne pas l'impunité. Mais si vous ne cautionnez pas l'impunité, pourquoi est-ce que vous voulez cautionner l'impunité dans un autre pays? Merci beaucoup. Il faudrait que M. Ouattara, le problème de Burkina Faso, il ne faudrait pas que M. Ouattara puisse prendre ça d'un problème personnel pour assouvir l'instinct personnel d'un seul individu qui est qui? Le gros poisson qui est habillé entre moi, M. Blaise Compaoré. C'est sous sa présidence,
C'est sous sa houlette que M. Thomas Sankara a été assassiné et qui l'a cautionné. Celui qui l'a cautionné parce que les libériens qui passaient, quand vous écoutez John Prenson, il a dit que c'est M. Blaise Compaoré qui les a aidés. Celui qui les a obligés à aller tuer Blaise Compaoré. Il l'a même dit, ce n'est pas moi Thomas qui le Sankara, dis. C'est direct. Oh, Thomas Sankara, bien sûr. Okay. Donc M. Blaise Compaoré, M. Blaise Compaoré, pour moi, il doit être radié pour faire valoir ce que tu droit, pour que la justice burkinabé puisse être une justice, pas de vainqueur, comme on l'attend en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la justice, les enquêtes ne peuvent pas toujours aboutir et on prend des gens pour les emprisonner parce que le président a lancé un coup de fil. Et c'est le président qui décide, ce n'est pas la justice en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique qui décide. Merci beaucoup. Monsieur Savadogo. Oui. Que pensez-vous de cette situation des mandats internationaux lancés contre Blaise Compaoré, tout en sachant que Blaise Compaoré, à l'époque, a donné un coup de main à M. Alassane Dramane Ouattara et que maintenant, c'est le même Blaise qui a besoin d'aide. Et ce même Blaise, son épouse est ivoirienne. Donc, que pensez-vous de cette mandat international? Pensez-vous vraiment que la justice ivoirienne, que l'État ivoirien va livrer Blaise Compaoré à la justice burkinabé afin que la vérité puisse triompher, afin qu'on puisse entendre de la bouche de Blaise Compaoré de certains faits de l'histoire du Burkina Faso? Bon, je dirais que Blaise, même s'il veut se faire du bien, il doit lui-même se livrer à la justice. Livrer à la justice, oui. Bon, parce que l'affaire Thomas Sankara, c'est une affaire qui est perdue depuis plus d'une vingtaine d'années. Bon, je sais que c'est un dossier sensible. Et si on va essayer d'aller jusqu'au tréfonds même de l'affaire, des puissances internationales sont impliquées. Sont impliquées, oui. Mais bon, moi je me dis que la justice telle qu'on la veut, ce serait très difficile de l'avoir. Mais au niveau du Burkina, on veut savoir qui a donné l'ordre d'agir. Bon, c'est à ce niveau d'abord que les autorités burkinabées veulent traiter l'affaire. Bon, je sais qu'il est beaucoup plus difficile d'aller au-delà, compte tenu de la sensibilité même du dossier. Mais revoyons les relations Ouattara-Compaoré. Bon, si on veut se référer à ces relations, oui. Ce serait très difficile pour Ouattara d'extrader Blaise Compaoré au Burkina. Compte tenu des raisons personnelles. Mais si Ouattara dit que, bon, toujours clamait qu'il combat l'impunité, oui. Bon, je ne vois pas de raison qui s'oppose à l'extradition de Blaise Compaoré. Monsieur Diaora, donc, je suis en ébullition parce que mon cher confrère oui. qui est de Burkina Faso, il ne parle pas des relations entre Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Il faudrait qu'on soit clair. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a aidé Blaise Compaoré à former la rébellion à Pau, au Burkina Faso, il le connaît. C'est là-bas la rébellion a pris naissance pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est de même Blaise Compaoré qui a aidé Alassane Ouattara à se positionner au pouvoir. C'est lui-même qui lui a donné toutes sortes de d'atouts pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on ne cache pas ce soleil-là des mains de revers. Il faudrait qu'on dise que voilà ce que ce monsieur a fait. Et ce n'est plus une question d'amitié, mais c'est une question de justice qui doit parler là. Si les Burkinabés veulent réellement avoir la vérité avec tout ce qui se passe, il faudrait qu'on aille droit au but. Parce que j'ai un truc encore que j'oublie. Je viens d'avoir l'information que M. Blaise Compaoré voudrait être naturalisé ivoirien avant que l'affaire Sankara ne puisse exploser explosive. Monsieur Cherniawa, ça ce sont des commentaires sur les réseaux sociaux, mais c'est... Je ne vous ai pas dit que j'ai pris ça sur les réseaux sociaux. Oui. C'est une information. Parce que souvent, on minimise les informations, mais c'est après... Ces informations viennent de bonne qualité. Mais ce n'est pas parce qu'on est ivoirien qu'on ne doit pas répondre à ces crimes. C'est là où j'en ai un ivoirien commet un crime. Il faut répondre à tous les...
Il faut répondre à tous les crimes. Ce n'est pas parce qu'on est, ivoirien qu'on ne doit pas répondre aux crimes. C'est ça, il faut... C'est là où j'en venais. C'est là où j'en venais. Que Blaise Compaoré change de nationalité ou pas, Blaise Compaoré, il y a eu des crimes qui ont été commis au Burkina Faso. Et à l'époque, Blaise Compaoré, qu'il soit président ou pas, il a été... Peut-être que ça peut être jugé en Côte d'Ivoire pour ne pas aller au Burkina Faso. Il a été un acteur principal de pas mal d'événements qui se sont passés au Burkina Faso. Cela est tout à fait normal. Comme vous l'avez si très bien dit, si Alassane Dramane Ouattara dit officiellement qu'il ne cautionne pas, il ne veut pas cautionner l'impunité. Et nous allons vous faire écouter cet élément aussi de la veuve de Thomas Sankara, sa femme, qui a bel et bien dit que si Alassane Dramane Ouattara a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI pour être jugé parce qu'il ne veut pas cautionner l'impunité, si Alassane Dramane Ouattara a fait juger la femme de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour ne pas cautionner l'impunité, donc elle ne comprendra pas pourquoi Alassane Dramane Ouattara va s'opposer à ce que Blaise revienne au Burkina Faso pour répondre de certaines questions élémentaires que le peuple burkinabé veut vraiment savoir depuis belle lurette. Donc, ce que nous allons faire... Ce sont des actes qu'il a commis qui doit répondre. Ce que nous allons faire, parce que Blaise, c'était un homme puissant du Burkina Faso. Blaise, c'était un président, c'était le médiateur international de pas mal d'histoire de la région, de l'Afrique de l'Ouest, sinon du monde entier, si je peux le dire. Donc, c'est Blaise, maintenant, il a dos au mur. Donc, ma question qui revient à vous, mes chers invités, quel avenir voyez-vous avec M. Blaise Compaoré, avec tous ces mandats d'arrêt international, avec tout ce qui se passe présentement avec les écoutes téléphoniques? Pensez-vous que Blaise a un main invisible dans toutes ces affaires pour pouvoir se retirer, pour pouvoir échapper à la justice burkinabé? Alassane Savadougou, pardon. Que pensez-vous de tout ça? Bon, vous savez, c'est un réseau qui est là. Même si Blaise lui-même, il ne peut pas revenir au pouvoir pour couvrir toutes ses affaires, le réseau dans lequel il s'était placé pour jouer le jeu politique dans la sous-région, ils veulent quand même maintenir ce réseau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver quelqu'un quand même qui leur est favorable pour toujours continuer dans cette lancée. Donc, en fait, voilà en fait l'idée que les choses, comment dirais-je, les anciens collaborateurs de Blaise, que ce soit les Soro, Guillaume et autres là, ont tendance à faire pour maintenir ce même réseau-là. Mais je pense que d'une façon ou d'une autre, ça sera difficile parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont là, qui sont en instance, que les gens veulent savoir la vérité dessus. Donc, je me dis que ce serait quand même très difficile d'effacer toutes ces traces. Merci beaucoup, M. Alassane Savadougou. Donc, ce que nous allons faire, si notre régie elle est là, elle est prête, nous allons faire écouter l'intervention de la veuve de Faye Thomas Sankara et de ce qu'elle a dit de l'impunité, de l'histoire, de ce qui se passe entre Blaise et la Côte d'Ivoire et de ce qui se passe entre les Ivoiriens et le gouvernement burkinabé. On va l'écouter et on va rentrer dans le vif du sujet parce que je veux que nous parlions aussi de cette histoire de justice dont nous avons tous soif, dont nous voulons tous savoir parce que c'est un mystère pour l'Afrique de l'Ouest. Comment Thomas Sankara a été assassiné? Qui a donné l'ordre d'assassiner Thomas Sankara? Qui a tiré sur lui? Donc, nous allons revenir pour parler de ça, et puis nous allons parler de Norbert Zongo, et puis on verra ce qui va se passer après. Monsieur, si la régie elle est prête, nous allons partir pour regarder, pour écouter la veuve de fait Thomas Sankara, et de son intervention, de ce qu'elle pense et de ce qu'elle a dit et a demandé au gouvernement ivoirien afin que la justice prévale sur ce passage. Comment elle réagissait à ce mandat d'arrêt? Ça fait plaisir parce que c'est une très bonne chose. On espère qu'il pourra être rapatrié. Au Burkina, tout le monde veut la vérité. C'est la vérité que nous recherchons et nous voulons mettre fin à l'impunité. C'est grâce quand même à la transition, grâce à l'insurrection qui a montré cette volonté de faire avancer le dossier.
Les résultats d'une autopsie donnée en octobre ont montré que la dépouille présumée de Thomas Sankara a été criblée de balles. Ce lundi, l'avocat de la famille a donné de nouvelles précisions sur les tests ADN. L'état des restes ne permettait pas, en tout cas, au laboratoire de certifier l'existence d'ADN. Ça ne fait pas obstacle à la procédure. La procédure suit son cours. Et n'oubliez pas que déjà, il y a beaucoup d'inculpations dans le dossier. Parmi les principaux inculpés, il y a Gilbert Diendéré, un proche de Compaoré pendant ses 27 ans au pouvoir. C'est déjà lui qui avait dirigé la tentative de coup d'État en septembre contre le gouvernement de transition. Merci beaucoup. C'était la veuve du fait Thomas Sankara qui parlait de la vérité, que le peuple burkinabé a besoin de la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas le peuple burkinabé seulement qui a besoin de cette vérité. Je pense que toute l'Afrique entière veut connaître la vérité de ce qui s'est passé. De qui a tiré sur Thomas Sankara, de qui a donné l'ordre d'assassiner Thomas Sankara et certains de ses proches. Donc, nous parlons d'ADN aussi, l'ADN de Thomas Sankara. On a inhumé Thomas Sankara pour pouvoir en savoir beaucoup plus sur les circonstances de l'assassinat de Thomas Sankara. Mais comme cet assassinat a eu lieu il y a une vingtaine d'années, l'ADN n'a pas pu donner beaucoup d'éléments, beaucoup d'éclaircissements sur les conditions de la mort de Thomas Sankara. Et M. Alassane Savadogo, que pensez-vous de ce que dit la veuve du fait Thomas Sankara? Concernant la vérité qui doit triompher, la vérité dont le peuple burkinabé. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Son époux a été assassiné lors d'un coup d'État. Bon, et déjà même les citoyens burkinabés réclament la justice. Donc bon, c'est tout à fait normal qu'on sache comment les événements se sont passés. Donc je dirais qu'il n'y a aucun inconvénient à rechercher la vérité dans cette affaire. Merci beaucoup, M. Savadogo. M. Serge Niawa, que pensez-vous de ce que la veuve fait Thomas Sankara venait de dire? Elle parle de vérité. Elle parle l'extradition de Blaise Compaoré afin que justice soit rendue au peuple burkinabé. Que pensez-vous de sa déclaration? Je crois que ce problème est au Parlement français où tous les dossiers ont été montés pour uniquement voir la vérité dans tout ce qui se passe. Parce que nous savons que Blaise Compaoré, parce que vous avez posé tout à l'heure une question, qui a donné l'ordre de tuer Thomas Sankara? Mais qui était président à ce moment? C'est Blaise Compaoré, celui qui peut donner l'ordre, non, même s'il y a eu beaucoup de personnes. Blaise n'était pas président quand... Non, oui, je vous en prie, je rectifie un peu. Oui. Blaise n'était pas président, mais il a profité de donner l'ordre sous encore des mains obscures qui suivaient Blaise Compaoré pour dire « il faudrait que tu fasses vite pour éliminer cette personne-là. » Mais c'est des mains obscures. Enfin, je dirais qu'il a profité de l'assassinat de Thomas Sankara. Il dit qu'il n'est pas au courant. Voilà, il dit qu'il n'est pas au courant. Mais il a profité. Non. Mm. Tu sais qu'en politique, il ne faut pas s'exhiber. Oui. Il faut se protéger. Blaise n'a fait que se protéger. Parce que déjà, tout a été tracé pour qu'il soit président. Il fallait qu'il le fasse. Je ne dis pas qu'il n'est pas responsable. Voilà. Mais il a simplement, lors de ses premières déclarations, il a dit qu'il n'est pas au courant. Mais c'est juste pour... Donc, je vais dire que pour quelqu'un qui a profité de l'assassinat, il doit pouvoir donner les raisons. Je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir, monsieur. Oui, allô, c'est monsieur Steven qui revient. Ok, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et vous, quelle est votre question? Oui, je vous suis sur mon portable et je vous appelle en même temps. Bon, je vous dis que la dame Sankara demande la vérité. Oui, oui. N'oubliez pas que avant le peuple burkinabé, c'est elle la première victime. C'est elle qui supporte le décès de son mari brutalement. Ses enfants. Et puis, après le coup d'État, qui a hérité du pouvoir? Qui a bénéficié du coup d'État? C'est ça. C'est Blaise Compaoré. C'est lui qui a bénéficié du coup d'État. Donc, c'est lui le premier responsable. C'est lui qui a donné l'ordre à lui de prouver au monde entier de dévoiler les commanditaires.
On sait que Blaise et Sankara, c'était des amis inséparables. Que Madame, Madame Sankara même n'en croit pas à ses yeux que Blaise va bénéficier de la mort de Sankara. Donc aujourd'hui, si elle demande justice et vérité, elle a même 1000% des chances de demander justice. Donc celui qui a bénéficié de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est Blaise. Il va répondre, donner les commanditaires. Et puis, si il a lieu, il advenait que le peuple burkinabé, lui, accorde l'amitié, ça, c'est ce que moi, je souhaite même. Qu'il soit amitié, quel que soit le cas. Mais avant d'amitier quelque chose, quelqu'un, il faut déterminer les responsabilités. Donc, Madame Miran a besoin de la vérité. Merci pour votre intervention. Merci infiniment et continuez de nous suivre et vos contributions font avancer à Tempo Afrique TV. Nous avons besoin de vous entendre souvent, nos auditeurs, et tout en sachant que vous avez des mots à dire. Nous voulons vous entendre et le monde entier veut vous entendre sur ces cas, sur ce problème dont nous parlons beaucoup plus précisément aujourd'hui, l'assassinat de Thomas Sankara, les mandats international lancé contre M. Compaoré. Nous allons continuer de vous apporter des informations au temps opportun afin que nous suivions ces dossiers de très près parce que nous ne sommes pas les seuls à vouloir savoir ce qui s'est passé. Je pense que le monde entier veut savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, merci pour votre contribution. Monsieur Savadougou, avez-vous... Je crois que j'avais la parole, monsieur Diawara. Okay, ouais. Désolé, alors. Donc, monsieur Cher Niawa, vas-y. Nous avons encore 5 ou 10 minutes pour clore cette édition. Et vas-y, que voulez-vous ajouter? D'accord, monsieur Salif Savadougou a parlé tout à l'heure de réseau. Oui. Mais à son temps, on parlait de réseau Focard. Mais maintenant, je vais parler de réseau Soro. Parce que c'est ce même réseau-là, aujourd'hui, qui va demain endeuiller encore deux situations, non seulement en Côte d'Ivoire, mais au niveau du Burkina Faso. Maintenant, revenons sur la veuve Mariam Sankara. Effectivement, celle qui endurcit cette douleur. Elle ne peut pas s'en tenir parce qu'un homme de sa taille, Thomas Sankara, qui était totalement jeune, à quel âge cet homme était au pouvoir, à quel âge cet homme a réellement commencé à lutter contre l'impérialisme, il fallait qu'on l'élimine. Donc, si Madame demande la justice, nous avons autant de M. Blaise Compaoré quand il est venu au pouvoir, parce que c'est toujours les militaires qui étaient au pouvoir. Mais maintenant, un civil arrive au pouvoir. On veut réellement dire la vérité, refaire la vérité, renaître la vérité là où elle doit sortir. Donc, c'est la justice qui doit être crédible pour que cette vérité sorte. Donc Ben Wede a dit qu'il a eu quand même des inculpations, tout et tout. On ne va pas oublier aussi le frère de Blaise Compaoré, qui est François Compaoré, qui est inclus aussi dans la mort de M. Zongo. Et il y a beaucoup de choses. Donc, M. Diawara, il y a en tout cas beaucoup à faire pour cette affaire. Merci, merci beaucoup. Merci, chers amis téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Merci, mes chers panélistes, pour être là aujourd'hui afin que nous puissions discuter à fond de ce référendum qui s'est passé à Kigali, sinon au Rwanda, avec les 98% de votes oui pour M. Paul Kagame d'être candidat encore à sa propre succession pour un troisième mandat. Merci pour vos contributions sur le cas Soro-Guillaume avec les écoutes téléphoniques où Soro a dit à l'Assemblée, devant une assemblée ivoirienne pleine à craquer, comme quoi que cette affaire, il va s'en laver les mains parce qu'il a tout simplement été demandé par le président de la République de s'en laver les mains et que ce problème allait se régler entre président, les deux présidents des deux pays. Concernant le mandat d'arrêt international lancé contre Blaise Compaoré, je pense que vous avez parlé de nous avons parlé de ce problème à fond afin d'édifier nos éditeurs, nos téléspectateurs de qu'est-ce qui se passe et de où nous allons. Nous allons continuer de vous apporter les dernières informations à temps réel
pour que vous sachiez où allons-nous avec cette histoire du mandat d'arrêt international. Et pour finir, la veuve Sankara, on a fait Sankara, on a très bien dit, c'est elle qui endure la première, parce que c'est elle qui a perdu son mari à un bas âge. C'est elle qui a souffert le martyr, et elle a toutes les raisons du monde de dire que la vérité doit triompher. Nous espérons tout simplement que cette vérité-là triomphera et que les autorités ivoiriennes ne vont pas faire de sorte qu'il y ait une crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est des pays frères. Donc nous allons espérer que M. Alassane Dramane Ouattara, qui a clamé haut et fort, qui ne cautionne pas l'impunité, et qui a envoyé l'ex-président Laurent Gbagbo à la Haye pour être jugé des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, et qui a jugé aussi la première dame, l'ex-première dame qui est Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, et que c'est Alassane Dramane Ouattara ne va pas s'imposer à livrer son ami à la justice burkinabé, à la justice militaire burkinabé, afin qu'il puisse répondre de certains de ses actes qui se sont très bien passés. Donc, chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce plateau Tempo Afrique TV. C'était rétrospective de la semaine. Je suis votre fidèle serviteur, M. Moussa Diawara. Nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine sur ce même plateau pour continuer de parler de l'Afrique et du reste du monde. Et pour ma part, merci M. Serge Niawa d'être là avec nous et d'avoir contribué. Merci M. Alassane Savadogo pour ta contribution. Merci. Et passez une excellente soirée, et on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir.